Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Nico et je te partage mes addictions. Et moi, je suis trop professionnel. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Je suis un peu chargé. Nous sommes le 12 avril, j'arrive au début de ce vlog qui, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais regarde ce que j'ai reçu YouTube. Oh, plein de choses. De ma Stélie d'amour, ma meilleure amie qui m'a fait livrer directement au magasin du fleuriste du centre. Un très très beau plan d'hortensia et trois roses blanches. Voilà, c'est beaucoup trop mignon. Beaucoup trop mignon. Je suis chargé comme une bourrique. Il fait toujours nuit, hein. Force est de constater que 21h, le soleil, c'est pas encore ça. Attends, je vais éviter de me casser la gueule, YouTube. J'ai un petit peu... Je me sens pas au top du top. J'espère vraiment que je commence pas à tomber malade. Ça me ferait vraiment chier. Genre vraiment. Salut YouTube, nous sommes toujours le 12 avril. Il est... 23h57, c'était pas du tout prévu que je te prenne là maintenant, pas du tout. Mais... Elle me dégoûte. Si tu es arachnophobe, ne regarde pas la suite de cette séquence. Quand je te dis qu'il faut pas laisser les fenêtres ouvertes là... Bah oui, maintenant il regarde partout le type, bien sûr. Le truc c'est un tyrannosaure YouTube. Je te jure, elle est énorme. Je sais pas si tu vois bien, j'ai fait un zoom de l'espace. Tu vois à côté de mon doigt que tu vois flou. Elle est énorme. Qui avance? J'avais pas envie qu'elle me mange. Non mais avance, qui me dit. Pour que le zoom il soit plus zoomé du fait que tu sois plus proche. Oh. Regarde comme elle est grosse, c'est une mygale le truc, c'est un truc de je ne sais quoi. Maintenant, comment on fait, monsieur? Comment on se débrouille? Non, parce que ce que tu sais pas, YouTube, c'est que mon mari est tout aussi arachnophobe que moi. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va nous manger dans la nuit. Moi, je vais à Disneyland, madame, dans 2 jours, d'accord? Je veux pas mourir maintenant. Non, mais on n'arrête pas de se prendre la tête, YouTube, parce que monsieur, il ouvre toutes les fenêtres du bordel toute la journée. Et je lui dis, mais on faut ouvrir, oui, mais... Ouvrir. Oh là là. Puis en plus je suis en train de louper Danse avec les Stars. Putain. Tu l'entends parce que c'est l'aspirateur. Il a que ça à faire le type. On va crever parce qu'il y a Nefertiti, comment ça s'appelait? Maïtika, je ne sais pas. Bon bref. Écoute, si le vlog s'arrête maintenant, c'est que on n'est plus là quoi. Voilà. Pour votre confort et votre sécurité, la région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Voyageurs. I find it hard to reach you. You never say what's on your mind, yeah. I'm going crazy all over you. Just for a second, can you try? Every time you've been calling, saying this is what I want. Me back, pull me in, and the other way around. Pull me in, push me back. Salut YouTube, mais je suis vraiment parti aux Bahamas aujourd'hui. Nous sommes donc le 14 avril, il est 16h18. Nous si, venons si de... Je suis comme ça pendant tout le temps, c'est pas grave. C'est pas grave, mon amour. Pas, toi, salut YouTube. Salut. Salut. Ah, on est partout. On est partout. Enfin, non, pas toi. Toi, t'as pas envie. Ah, non, toi, mais... tu fais... Effectivement.
ça y est, regardez. Du coup, je sais pas quoi dire. Je sais pas à qui je dois parler. Je sais pas quoi dire. Ah bah, c'était trop on va sympa. Faire comme ça. Ah bah voilà. Voilà. On est partout. Regardez, il y avait ma téléphone là. Il y en a partout. Ah, et gros, c'est l'hormone là devant ton truc. Bah voilà, j'ai récupéré. C'est fait. Allez, salut. Mes beautés d'amour. Salut, bonne journée. Salut. Ah oui, on peut faire comme ça aussi. J'ai récupéré mes beautés d'amour. Enfin, j'ai récupéré. On vient de finir de manger, on a à manger au paradis. Attendez, après, bah, tu peux expliquer, moi, j'ai rien. Ah oui, bah du coup, voilà, comme ça, c'est Nani qui vlog pour nous. Alors, attendez, trois. Voilà. Voilà. Alors, vous mettre. Donc, on a mangé au paradis. C'était très bon. Merci, Nico et son petit mari. Il est là-bas, le mari. Il se montre pas. Il est sage. Et là, on fait une petite pause syndicale dehors. Et ensuite, on va aller faire petit petit. Ciao. Un tout petit peu. A little bit. Bon, du coup, je sais pas si t'as entendu YouTube, on vient d'aller manger au paradis du fruit. I repeat. Et c'était hyper cool, je connaissais pas le... On connaissait pas l'enseigne. Et j'ai retrouvé ces deux-là. Trop... Non, mais... En vrai, c'est comme on disait tout à l'heure. C'est... On est partout dans ces... Attendez, on va faire des... Mamie, je me vois pas là. Et comme je disais, c'est chelou, c'est comme si... Enfin, c'est la première fois qu'on se voit, mais j'ai... Enfin, c'est on comme si... Hier ensemble, c'est... Quoi. C'est... On est dans tous les côtés. Enfin, c'est ouf. Alors, on va profiter un petit peu entre nous, YouTube, je te reprends après, mais c'est Moi, je te reprends pas. Moi, je te reprends pas. Mais franchement, j'ai abusé regardez. Sur mon teint, regarde. Mais t'as pas abusé mais sur si, mon regarde, teint. Tu es orange. C'est... Oui, du coup, je t'ai pas dit YouTube, mais nous avons les mêmes. Nico, voilà. Il nous a fait un cadeau. Attends, moi aussi, je vais le vlogger, ça. Je filme ici si vous voulez, mais on est à contre... Contre-sens. Ma chérie, tu as contre-sens. À contre-lumière. À contre-jour, que on je peut voulais pas dire. Tout avoir. Moi, c'est pas grave, tu vas en c'est pas grave. Aussi, salut YouTube, on ne me voit pas, je suis dans le noir le plus total. Mais moi, je suis là, on me voit. Il est 19h07, nous sommes le 14 avril. Nani ouais, c'est bon, il fait encore jour chez nous. Nani oui. Bah, viens apparaître aussi dans le vlog, parce que tu n'es pas assez apparu, je trouve. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, YouTube. Bon, donc, alors, tu m'excuses, YouTube, tu es posé sur un... Si tu décales un petit peu, là. Peut-être l'étage arrière. Merde, on voit plus. Ouais. Je cache ton mari. Non, bon, c'est pas grave. Tu es posé donc sur une plage arrière parce qu'il faut que j'ouvre mes cadeaux, mes colis, d'après ce que j'ai compris. De Thanksgiving. Mes cadeaux d'anniversaire de Thanksgiving. J'espère que tu m'entends YouTube et oui, tu me vois pas très très bien, mais tu montreras le son. Alors, sur le logiciel dites-moi. De montage. Ça c'est moi. Ça c'est Nani. Avec le beau paquet cadeau. Faut que je pense à couper au montage. Il y a eu une petite coupure au montage. Je dis ça pour m'en souvenir si jamais. Note à moi-même, coupez. On l'a refait. Banane. Donc merci Nani. Est-ce qu'on voit ou est-ce que je sens bon? J'ai rien dans les dents. Est-ce que j'ai un indice ou pas? Ça explose. Il y en a deux dedans. Il y en a deux dedans, c'est un indice. Indice. Marque moi j'aurais dit année 2000. Willy Denze. C'est un vinyle. Willy Denze. En temps on dirait une casquette. Il y a une casquette. Non mais il y a une casquette. C'est ce move. Willy ouais, Denze. Ouais. Alors il y a une casquette YouTube avec un autre truc d'obédience carré et molle. Obédience. Je trouve que tu utilises des mots. Quelle marque la casquette? Ah, de Willy. Mais avec Willy Denze la marque. Non, non, il n'a pas fait de marque. C'est avec une plateforme plate là. Non. Bon alors Nadia, et c'est parti pour le cette show. Génération quoi. Ouais. Hit Machine. Une casquette M6. Une casquette trop chelou. Tour de France. Je vais acheter une casquette à la Ricard. J'ai vu que t'aimais bien les casquettes. Ouais, voilà. Par rapport aux années 1. Hein ouais, c'était. Est-ce que tu veux que je fasse la chorégraphie 2000. Non, mais je connais la chorégraphie, mais je ne vois pas la marque. Ça, c'est quoi ça? Ça, je connais pas par contre. YouTube, si tu as une idée, dis-le dans les commentaires. Une casquette to be free. Une casquette World the Park. Marie adore les bananes si jamais. Donc, bah, une marque des années 90, je sais pas. Ils vont pas que des casquettes, il y avait des sweets. Moi j'aimerais un sweet de cette marque là. DDP. Non. Ça existe plus. Moi je m'en fais pas des DDP. C'est pas des gens qui font les livraisons. Un peu les mêmes trucs que. Il y avait quoi. Non. Puma. Non. Fila. Demande à Nike.
Fashion Barbie. Ah oui. Ah ouais. Buffalo. Non. Non. Vin Diesel. Vin non. Diesel. Non, Vin pas Diesel, Vin Diesel. C'est celui qui fait des films, lui. Von Dutch. Von Dutch. C'est une casquette Von Dutch, j'adore. Et maintenant, c'était bien réparé quand tu trouves, en fait. Hein? Bon, alors on change de famille. Non, je t'ai fait la couronne. Alors, mais quand même, Caro, si tu passes par là, tu m'as aidé à trouver parce mais que Fashion Barbie, vois, Von Dutch. Ça, ouais. Enfin, je dis Vin Diesel parce que je suis teubée, mais je pensais à Von Dutch. J'ai perdu les pantalons. Oh, mais j'ai. Elle est il trop belle. Il va pas dire qu'il aime pas. Hein. Ouais, en même temps, je suis là, alors ça sera un peu abusé. Non, alors je le dirai pas, mais ça se verrait. Ah, ah avec les bébés. Ah, il est. Ah, il est mignon. Ça a été l'accouchement. T'as une épisiotomie, toi ? J'aime trop. Tu verras rien YouTube, je te la montrerai plus, mieux. Si, si tu la mets comme ça. À l'hôtel. Ouais, là, il y avait. Il y avait un peu de lumière. Voilà, bah je te la montrerai plus, mieux à l'hôtel, mais merci, trop bien. Et la deuxième, c'est pareil ? Non. Il y a un indice ? Attends, c'est quoi déjà ? Je me souviens plus. Non, elle est en train de regarder. Bah, je regarde. J'étais un peu déçue. Ah bah, oui. C'est du chocolat. Bah, enfin, c'est à manger. Eh bah non. Non. Moi, je te fais c'est le... du. Oh, c'est du thé. J'allais te faire le. C'est du thé YouTube, du comptoir bah, de Mathilde. Moi, je pensais qu'il y avait plus de choix dans ce magasin. J'ai dit, mais ça dépend où tu vas, je pense. Ouais. Ça vient du sud, hein. Je te rends dessus. Est-ce que dans partout les chemins, tu reviendrais ? Je viens. Tu reviendrais ? T'as compris ou pas ? Tu reviendrais ? Sur un malentendu. C'est une infusion. Est-ce que ça peut marcher sur un malentendu? Infusion. Bah écoute, j'adore les infusions, ça tombe très très bien parce que sinon après je ne dors plus. Menthe poivrée, fenouil, sarriette, anis, pomme déshydratée. Oh, ça doit être très sympa. Mais il n'y avait que deux choix. Gruyère. Je sais pas si tu connais YouTube. On est sur un. T'as fait plouf plouf pour choisir? Ah, l'autre, ça donnait pas envie. Je te dis, bah je vais prendre ça. Voilà. Là, une. Très très très. Il y a du jambon cornichon. Merci beaucoup, ma mamie. De rien. Franchement, il fait bien mon indice, Willy Denze. Oui, de ouf. Avec la chorégraphie et tout. Je trouve ça sympa, elle est fait un petit peu. Trop belle. Je vais la porter bah, sur le parc demain. Mais Willy Denze, il a porté cette marque. Non. L'année. Ouais. Ah, d'accord. Genre les chorégraphies, j'ai toutes ces casquettes. C'était juste pour que je ne comprenne pas ce qu'elles veulent me dire. Merci beaucoup. Ouais, moi je dans le temps tous les cadeaux, j'étais bah comme un disque, c'est sûrement le volant d'une voiture. Après j'ai dit avec quoi les roues. Les... T'as pas vu d'ailleurs la vidéo ouverture, normalement elle. Oui bah oui, elle sort mardi, ouais, donc elle avance ouais, vlog. Coup, ouais. Je t'invite à aller voir sur les. La... Les ah, deux bah les deux. Ouais. Ah oui, tu vas tourner tout à l'heure. Yeah. Sur les chaînes de Marie et de Nani évidemment. T'as l'heure demain quoi. Tomorrow is another day. Et donc. Merci. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est parce que je me suis assise devant. Ouais, c'est parce qu'on vient de. Non, c'est parce que j'ai ma suspension voiture fleur de coton qui sent trop trop bon. Ah oui, oulala, Nani, qu'est-ce que ça sent bon dans ta voiture? Mais qu'est-ce dis-moi que c'est? Où pourront nous acheter des suspensions voiture fleur de coton? Il faudrait vraiment nous mettre un lien dans la barre d'infos. Je crois que c'est sur le site de Mail Étincelle. Tu connais Mail Étincelle? Mais non, qu'est-ce que c'est? C'est une fabrication française. Qu'est-ce que c'est? Fabrication française de bougies artisanales. Oh, cela m'intéresse, il faudrait que tu m'en dises plus. Moi, je pense que tu peux trouver ça dans la barre d'informations. Fais déjà une petite carte. Pour moi, j'ai hâte qu'il ouvre le gros cadeau qu'il peut pas transporter. Il est où mon sac ? Non. Bah, il l'a vu, hein. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est bulle. Ah, c'est ça, il t'a mis la déception. Je sais pas. Non, mais je sais pas comment je vais faire, je vais garder et le bah, carton. Et bah, tu vas le comme ça ? Oui. Prends le train comme ça. J'ai une très 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 belle carte. Happy birthday, ça tombe très très alors, bien. Alors ma mère a dit elle est rose, je dis on s'en fout. Oui, elle est rose, je suis pédée, je m'en fiche. Alors, je peux la lire maintenant? Sérieux? Oui, je suis une pédale. Je suis pas sûre. Coucou moi mon qui petit pensais chou. Vraiment que tu voulais me pécho. Mais je veux toujours te pécho. Je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est bizarre de lire ça alors que t'es derrière. Est-ce que tu veux que je te la lise? Je suis super content. Oui, bah moi aussi. L'année prochaine, on pourrait se faire une méga fiesta. Tu apprendras la chorégraphie de Willy Denze. Oui. Avec la casquette Vin Diesel. Avec la casquette. Avec la casquette Vin Diesel, ouais. Et il y aura même des bonbons en forme de banane. Tu trouveras des comme petits cadeaux pour l'occasion. C'est rien de ouf, mais je voulais te faire plaisir. Tu trouveras des indices sur les paquets. Let's go pour ouvrir tes cadeaux. Plein de gros bisous d'amour. Ton Rob, ici présent. It's me. Là. It's you. No, 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 it's me. Keep on talking me. Ça, c'était. Comment il s'appelle? Billy Crawford. Billy Crawford. Ah, ouais, j'avais dit Willy Denze. Ouais. Bah, je pensais à lui tout à l'heure en plus. Ah, bah, d'accord. Willy Denze, les gros frères. Rien à voir. Ah bon? Bah, oui. Et c'est... Non, ça c'était une reprise. Pour la lumière du son, sans poser des questions. À croquer sous la douche, YouTube. Je pense que. C'est un. Non.
C'est de un... la moutarde. De un la moutarde. Non, tu m'as déjà envoyé, je crois, ça. Ou... Alors, oui, comme c'est toi un ami, je vais te dire la même chose que j'ai envoyé, parce que je vous ai offert la même chose, ça, en tout cas. Et comme j'ai dit à un ami, effectivement, je vous l'ai déjà offert, mais c'est, bon. C'est les gels douche mousse chantilly. Bah, t'ouvres et tu le sauras. Je suis sûr que c'est ça. Tu sors ça à YouTube. Non, est-ce que tu apprécies ce moment en contre-jour? Oui, une crème comme ça en mousse, et depuis on fait des trucs en mousse. Et ça, c'est une autre marque du coup. Mousse de savon. Podane, ça me dit quelque chose. Vous savez, les bougies qui sentent rien. Les bougies qui ne sentent pas. Vous savez, les bougies artisanales. Alors, c'est pour ça qu'il faut acheter, mais l'étincelle. Je sais pas si on va voir là. Il va falloir que tu augmentes la luminosité. Ah, voilà. De la marque Podane, comme ceci. Si j'arrive bien à lire à l'envers, c'est fraise framboise. Framboise. Oh, ah bah c'est pas ouvert. Ah, il n'y a pas mon pseudo. Bah, je le sentirais ça sent bon. À la maison. Mais framboise sucrée, à mon avis, c'est ça plutôt pas mal. Regarde-moi cette texture. Non, de regarde tube. Pas parce qu'on voit pas. Mais si, regarde. Regarde la texture. Et ça fait le focus sur ta tête. En plus, c'est très drôle. trop bien. Bah, ça, trop cool. Ensuite, est-ce qu'il y a un. On peut repartir avec. Ouais, c'est Britney. Alors, ça, non, c'est à la fin. Ah non, c'est Britney. Ça, c'est à la fin. Mais attends, non, parce que ça. Salut. Si, alors tu peux. Alors, tu gardes dans ta main, mais je vais te donner autre chose à la place. D'accord. Je vais te donner ça. Ça va avec. Ouh, cette odeur est faite pour. Oh, et je voulais que tu testes la marque. C'est mes étincelles. Non, parce que celle-là, il y en a marre. On en a trop parlé. C'est bon. Je trouve d'ailleurs que, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Nani, elle parle beaucoup trop de sa marque dans ses vidéos. Oh là là, ses enfants sont chiants dans les vlogs. On n'entend que. Et alors moi, je suis archi contre la surconsommation des produits make-up. Voilà, je tiens à le dire aussi. Moi, je ne surconsomme pas. Hein. Mais pourquoi vous me regardez? Bande d'ingrats. Alors, je vais t'expliquer. Mais faut que tu coupes. Money d'ailleurs. Oh! Pardon, vous avez envie de rentrer chez vous? S'il vous plaît, j'ai encore 160 oui, km à faire. Je me dépêche. Harmonie d'ailleurs. Oh, sous le figuier. Mais oui. Oh. Alors maintenant, je peux t'expliquer. Oh, pardon. Non, attends, je vérifie que ça fume toujours, c'est bon. Alors, Harmonie d'ailleurs, donc c'est pas une bougie de partenariat, parce que j'ai aussi pris un truc en Harmonie d'ailleurs. Je vous spoil. C'est moi qui les ai achetées, mais ouais. Du coup, elle regarde beaucoup tes vidéos. Et elle m'a dit, j'en ai une, il m'en reste une. Oh. Ah, je suis trop touchée. Que ah, quelqu'un mais... devait venir chercher, qui n'est pas venu chercher. Donc du coup, je lui ai dit, je te la garde, je te l'achète. Et elle a dit, sous la figue, c'est vraiment pour Nico. Parce que tu parles souvent des odeurs. Ah, mais j'adore, mais bien sûr. Donc elle a voulu quand même te mettre aussi, parce qu'elle a sorti une nouvelle collection qui s'appelle La Comtesse d'Harmonie. Elle t'a mis aussi un petit pochon avec. Regardez comme c'est beau. Regardez voilà. Comme c'est de toute beauté. Elle a sorti une collection, La Comtesse d'Harmonie. Et dans La Comtesse d'Harmonie, elle a créé une petite histoire. Et elle t'a envoyé l'histoire. L'histoire, oh voilà. C'est adorable. Je j'avais regardé ta. Regarde comme c'est beau YouTube. Tu parles de moi là? J'avais regardé ta vidéo où tu l'as fait l'unboxing de cette. Hop. T'as vu? Oh. Non mais ça moi, faut que tu fasses. Parce que du coup tu l'as pas senti. Ça faut que tu fasses en même temps. Banane et figue. Non, en plus ça sent vraiment genre le figuier. Oui, ça sent la feuille, ça sent la sève. Ça ouais, sent... ouais, bah oui, bah, elle, il y a plein de trucs, hein, c'est écrit de toute façon. Ah ouais, c'est dingue. Il y a écrit figue et... verte. Ouais. Ah ouais, ça sent pas genre. Donc, voilà, je voulais absolument que t'aies quelque chose d'elle. Et donc ça, je te le lirai en. Oh bah t'as le temps parce que c'est. Elle est longue l'histoire. À la... Dans la suite de la vidéo, donc, je t'en reparlerai en vlog, quand etc. Tu commandes effectivement la collection Harmonie de. Harmonie de... La Comtesse d'Harmonie sur son site, tu elle envoie l'histoire qui va avec. Parce que c'est toute une histoire. Mais j'avais regardé ta vidéo unboxing, j'avais adoré l'univers vraiment ouais, qu'elle a créé autour de ses jardins, ses découvertes, etc. Ah mais c'est etc. Un truc vraiment archi bon. Franchement... Donc c'est des bougies artisanales. En amour avec ça. Du coup, je te mettrai aussi le lien si j'y pense en barre de description, mais tu ris. Marie 15, vous avez 15%, oui, je suis pas affiliée. Tu me le redonneras si ouais. J'y pense pour le noter. Mais du coup, 15% sur le site d'Harmonie d'ailleurs. Mais ça vaut le coup. Mais ça, c'est pas une bougie en barre de description. Tu peux voir, c'est non, j'ai vu, voir. C'est en. Ouais, mais alors, elle une tuerie. Il y en a quelques-uns, c'est les, la une collection. Tuerie. Je ne sais plus. Faut que je pense à t'envoyer un message. Nawel. Nawel, ouais. Elle sera merci très contente beaucoup, parce que franchement elle avait hâte que tu l'ouvres. Beaucoup. Ah non mais j'adore. Et après tu peux ouvrir comme tu veux. Comme je veux. Ouais. Bah je vais commencer. Enfin je vais commencer. Il en reste une, deux. Et le gros truc, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, ok. Alors, l'odeur est juste ouf. Je pense que c'est une brume. Moi, je pensais vraiment que c'était un cric. Je pense que c'est un saucisson. Ah oui aussi, peut-être une bouchée.
Tu vois, en fait, on aurait pu faire une vidéo exprès parce que ça dure déjà longtemps, c'est déjà 15 minutes que je filme. C'est parce que t'arrêtes pas de dire des bêtises. C'est vrai. C'est qui a dit, c'est vous ou c'est lui? Ah, mais c'est sûr que ça sent pas de ma bouche. Ça, c'est sûr. Est-ce que je... Alors, ça, je sais que le mari, il aime bien aussi. Je connais. Non, celle-là, c'est. C'est Victoria's Secret? Ouais. Oh, oh. Je sais que le mari, il pique les trucs comme déjà, ça. Déjà, le flacon est magnifique. J'essaye. T'essayes d'en prendre? Mais tu me fais sentir, ça sent bon, hein. Tu n'utilises pas, hein. Cerise noire, ambre. Ouais, ouais. J'ai longtemps hésité à me le prendre pour moi et je vais aller me le rechercher. Ah ouais, non, il te le faut. Moi, je connais, moi. Mets dans ton sac, mets dans ton. Je vous entends et je vous vois. Si tu en trouves une comme ça, je veux bien que tu la fasses. D'accord, bah tu vois, je savais pas. Ah ouais. Bah, la prochaine fois, je prendrai pour tout le monde alors. Maison avoine. Oui, bah c'est Marie aussi, laissez-moi tranquille, c'est mes cadeaux, d'accord? C'est moi, j'en ai sur. Je veux pas tout te raconter parce qu'on se connaît pas depuis longtemps. Alors, mais sur tout son body, il t'en fallait un deuxième. Oui, et je vais te donner un indice, on y était. Oh, c'est un. Eh, franchement, moi je suis vraiment trop fort en devinette. Ouais, c'est ça, je t'ai donné un sacré indice. Bah, on y était, on a fait 18 voilà, millions de choses. Attends, aujourd'hui. On a mis combien de temps pour la casquette? Un thermos. Pour trouver Vin Diesel, quoi. Van Dutch. Alors, ça, je sais que t'en as. Un thermos. Et je me suis dit, le tien, tu l'emmènes toujours. Ah partout, non, mais c'est la vie. Et comme ça, t'en auras un d'été. Ah non, mais c'est la vie. Et un d'hiver. Oh, tu entends mon mari qui est désespéré derrière parce qu'il m'a dit justement il y a deux jours tu ne t'achètes. Il m'a dit ce matin même quand j'étais chez Starbucks tu t'achètes plus de gourdes, tu t'achètes plus de gobelets, tu t'achètes plus c'est de tout. C'est pour amener autre. Tu verras juste dans la vaisselle. Mais celui-là il est une autre comme ça, ça fait un été et un hiver. Donc c'est un thermos blanc comme ceci. Thermos au même endroit, on a un placard que de thermos comme les placards. Bah, j'ai un placard que de thermos, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bouche. Oh, mais quand on aime, on ne compte pas. Ah, il est trop trop beau, là, merci. Ça nous petit truc là. Mais ça trop beau là. C'est ça, quand on aime. Ah oui, j'avais pas vu la petite écusson là. Trop chouette. T'as la petite pièce Starbucks en argent. Trop trop chouette. J'aime beaucoup le design. Il est trop beau. J'ai kiffé, c'est juste parce qu'il y avait ça. Mais... En fait, elle voulait que les cuissons là. Je dis, oh, c'est beau ça. Moi, ouais, c'est pas marqué les cuissons. Je te jure. Je voudrais en boucle d'oreille, en parure s'il vous plaît. Et donc, ceci, ah bah ça me fait moins peur que ce que j'imaginais. Ah, par contre, j'adore. Alors, par contre, il s'est un peu secoué. Et regarde comment il s'appelle. Je te présente. Rocher. Alors, c'est un jeu de mots entre Roger, Rocher et en minuscule. Parce que toi, t'as Pierre en majuscule. Ah, et Rocher en minuscule. Mais. Alors, oui. Ce qui est très drôle, c'est que Marie, ici présente, derrière, pensait que nous étions en voiture. Nous sommes en train. Avec deux correspondances. Bon. Bon, ça va. Et du coup, c'est ce que tu as aussi sur ta table à toi? Non, c'était le tien. En fait, moi j'en ai un. Depuis 15 ans, c'est le mien. Je te jure. Et à partir du moment où. En fait, je l'ai vu, j'ai dit, oh, franchement, ça fait au moins un mois qu'il est sur ma table. Mais je l'ouvre, hein. Je l'ouvrais une fois par semaine. Oui, mais t'en avais un, toi. J'en ai un, je l'ai mis un peu plus loin. Ok, donc c'est ce qui me semblait. Et le oui. tien, par contre, il est resté au soleil pendant un mois. Et l'entretien, du coup, comment ça se passe? C'est trop facile. Ça s'appelle un terrarium. Et en fait, tu vois, en été, tu l'ouvres à peu près une heure, une fois par semaine. Tu d'accord. laisses le truc une fois par semaine, en plein soleil. Ok. Et en hiver, tu l'ouvres... ouais, 2 heures, une fois par semaine. En plein soleil, mais dedans ou dehors en été? Dedans, toujours à l'intérieur. Toujours dedans. Ouais. Et bah écoute, on installera ça à la maison, YouTube, on verra moi, tout ça. Ça fait au moins 5 ans que j'ai. Ah ouais, ah ouais. Et ouais. Du coup, t'arroses pas, tu fais juste non, ouvrir et... Il saute au truc. Il est beau le bocal. Trop bien, ouais. Trop trop beau. Chouette. Merci, est-ce que ça va couper? Non, on fait un câlin, on se coupe. Oh mais trop d'amour ici. Vous voulez faire des trucs à trois maintenant, c'est nouveau. Merci, merci, merci. YouTube, je te laisse là, parce qu'on va profiter de la fin de séjour. Non, mais alors moi, on dirait, regarde. Quoi? Et non, mais je suis tout... Déjà, je suis soit orange, soit noir. Mais non, il n'est pas orange. Mais enfin, bah, vous avez des problèmes de vision. C'est mon meilleur profil, moi. On te fait tous des bisous. Et bah, franchement, si tu... bah, à mon avis, tu les connais déjà, mais va suivre ces deux personnes que j'aime d'amour. Des bisous, YouTube. Et on se retrouve, je sais pas quand pour ce vlog, mais très très vite. À plus pour dans le Disney. Bus. À plus dans le bus. Ciao, ciao. Mouah.
Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 19 avril, il est 17h42. Oui, il y a une faille spatio-temporelle. Temporelle. Une faille spatio-temporelle dans ce vlog, mais parce que les vlogs à Disney arrivent. Trois jours juste fantastiques. Hein. Même si, comme tu le verras dans les vlogs, au début j'étais un peu malade, un peu pas bien, mais Disney m'a guéri au bout de deux jours. Par contre, il a fait froid, mais si jamais tu veux voir tout ça, je te dis là maintenant comment les choses vont se passer pour la suite. Si jamais tu n'aimes pas le contenu autour de Disneyland, bah désolé, hein. Et puis pas la peine de le dire en commentaire, parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et surtout que c'est pas si souvent, donc mince. Pourquoi je t'engueule? Je sais pas. On continue tous les weekly vlogs le lundi. Voilà, vendredi passé qui vient de se passer là, c'est-à-dire aujourd'hui pour moi, mais toi c'était il y a quelques jours, je t'ai publié une vidéo du show, comment il s'appelle déjà, A Million Splashes of Color, voilà, alors c'est une vidéo plus qu'amateur, hein. J'ai pas eu de multi-angle, voilà, mais j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, bah écoute, on verra tes retours en commentaire. En parlant de commentaires, j'ai beaucoup de retard, comme à chaque fois, mais bon, tu sais qu'on va, s'y faire. Et donc, pour revenir à nos moutons, tous les lundis, on continue avec les weekly vlogs, ça ne change pas. Par contre, les trois vendredis qui arrivent, c'est-à-dire ce vendredi-là, de cette semaine où tu regardes le vlog, vendredi prochain et vendredi d'après, il y aura donc mes trois daily vlogs à Disney. Ça va être un peu bizarre, parce que dans 3 semaines, ça fera déjà un mois que j'ai vécu l'expérience. Mais du coup, voilà, comme ça, au moins, j'ai le temps pour faire le montage, qui me demande beaucoup de temps, parce que, comment te dire que j'ai commencé déjà le montage du premier daily vlog, j'ai 1h48 de rush. Donc voilà. Mais j'espère en tout cas que ça te plaira. Moi, je me réjouis vraiment de revoir toutes ces images, et c'est hyper égoïste, parce que clairement, c'est pour moi. Je veux me souvenir de tous ces moments, donc très très hâte aussi de te les partager. On est rentré donc hier dans l'après-midi, j'ai fait le montage de la vidéo dont je te parlais sur le spectacle. On a rangé l'appartement, tout ça. Faut que je te montre ce que j'ai acheté à Disney. Faut que je te montre aussi tout de suite là, après cette séquence, le colis de Guy et un chien, donc de Lee & Jack, que j'ai été chercher tout à l'heure. Trop trop hâte, j'ai pas encore ouvert, donc je t'attendais, tu vois, pour le faire. Et qu'est-ce que j'ai à te montrer aussi? Bah je crois que c'est tout. Non, j'ai reçu une surprise. Je ne m'y attendais pas. Missile, ça va pas du tout. On n'a jamais dit non. Mais voilà, je te montre tout ça. Bah maintenant, c'est parti. J'avais autre chose à te dire, je crois pas, non? Allez, on y va. Bon, flemme d'installer pour... Bon, en même temps, il faudra que j'installe quand même la ring light pour le colis de Lee & Jack. Mais écoute, c'est comme ça. Pendant notre dimanche après-midi avec Marie et Nani, on a fait donc un petit peu de shopping à Val d'Europe. On a été chez Normal. Je me suis racheté du shampoing sec Baptiste parce que j'avais pas pris... le mien, j'avais oublié de le prendre, donc voilà. J'ai racheté ma poudre texturisante Got To Be, que j'aime beaucoup et qui est vraiment pas chère du tout. Là, je te fais pas un haul, hein, parce que voilà, c'était juste pour te montrer ces petits achats. On a racheté des sérums, etc., mais ils sont déjà rangés dans la salle de bain. À Disney, j'ai quasiment rien acheté. J'ai surtout acheté ceci. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Non, je te la montre à l'endroit, c'est mieux. Regarde comme elle est belle. Enfin, on voit pas grand-chose parce qu'elle est fermée, mais je vais pas l'ouvrir, ça sera à elle d'ouvrir. Donc il s'agit de Cendrillon, une poupée Barbie Cendrillon, avec plein d'accessoires, une tenue de rechange, des chaussures, un petit panier, gus-gus, Lucifer. J'aime beaucoup, et voilà du coup ce que ça donne derrière. La boîte en fait peut se transformer en boîte de jeu si tu veux. Donc voilà pour Cendrillon, pour ma petite Jadou d'amour, pour son petit frère, j'ai payé, est-ce qu'il y a encore les prix pour te donner un ordre d'idée, 40 euros quand même cette histoire, 40 euros. Elle voulait à la base, je crois qu'elle voulait Aurore, et je sais plus si c'était Cendrillon ou Belle, mais bah, il n'y avait ni Aurore ni Belle, donc bah écoute Cendrillon, et puis ça sera très bien, voilà. Pour mon petit neveu, je me suis retenu, tu sais, mon petit neveu qui est tout bébé, qui est né au mois de janvier. J'avais vu pas mal de petites choses qui m'intéressaient, etc. Mais ma belle-sœur m'avait dit des bavoirs. Donc, bah, du coup, je me suis retenu. Le mari m'a retenu aussi parce que moi, je m'emballais. Mais je lui ai pris ce bavoir-là que je trouve vraiment trop mignon avec la tête de Mickey en relief un peu. Je sais pas si tu verras bien. Non, tu vois pas, mais c'est pas grave. Le bavoir, là, Mickey, il était à 10 euros. Et j'ai trouvé cela beaucoup trop mignon. Donc là, c'est un lot de deux avec Pampan et les petites oreilles aussi, tu vois, comme ça en relief. Donc le premier Pampan comme ça.
et le deuxième pompon comme ceci. Voilà, beaucoup trop mignon. Et ces deux-là étaient à 16 euros. Voilà. Pour moi, parce qu'évidemment, j'étais obligé de me ramener un petit quelque chose, j'ai pris ce petit porte-clés beaucoup trop mignon. Oui, en forme de Donald, qui est l'un de mes personnages Disney, si on peut dire, hors princesse, etc. préféré. Mais il est trop beau, Donald. J'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Deux petites cartes comme ceci, que je trouve très, très, très belles. Je pense que je vais les mettre... Pardon, en passant en même temps, j'ouvre l'enveloppe. Je vais les mettre à la maison. Je sais pas trop comment je vais les mettre en scène, etc. Mais je les trouve magnifiques. De Hollywood Tower Hotel. Comme ça, j'aime énormément. Il y avait plusieurs attractions représentées comme ça en carte postale. Et bah, j'ai pris deux de mes préférés. Et l'Hyperspace Mountain. Voilà, que je trouve vraiment très 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 sympa. Et je pense que ça peut être très joli dans des cadres ou quoi. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et les petites cartes étaient à 2 euros l'unité. Il me semble, c'est presque fini. Parce que si tu me connais, tu t'imagines que j'ai craqué pour une tasse. J'en ai vu plein. Bah d'ailleurs, dans un des vlogs, je crois que c'est dans le deuxième. Il me semble, ou dans le troisième, je sais plus. Enfin bref, je te fais un petit tour dans une boutique, etc. C'était assez drôle à faire d'ailleurs, assez drôle à tourner. Tout le monde me regardait et tout. Il y a même quelqu'un, un petit enfant, trop mignon, qui me dit « Mais monsieur, vous faites des vidéos TikTok ?» Je dis « Non, je suis sur YouTube. » Ah, et vous avez un amoureux vous avez une amoureuse ?» J'ai dit « Non, j'ai un amoureux. » Ah, mais vous êtes le monsieur qui se maquille sur YouTube? Alors j'espère qu'il m'a pas confondu avec quelqu'un. Mais j'ai dit non, je peux pas considérer mon contenu comme du make-up, tu vois. Donc j'ai dit non, c'est pas moi. Puis après il me fait, comment on fait pour être YouTuber? Je dis, bah, il faut prendre une caméra puis filmer, jeune garçon. Et donc, je disais, une tasse, évidemment, je suis obligé d'acheter une tasse quand je vais chez Disney. Et comme je n'arrivais pas à choisir et je voulais vraiment YouTube, je te jure, j'en ai acheté qu'une seule. Et je me suis dit, écoute, j'ai vu qu'il y avait cette nouveauté, vu que j'ai déjà les trois autres qui existent, pourquoi ne pas avoir la quatrième? Voilà, la toute nouvelle. Il s'agit bien évidemment... Donc là, du coup, c'est Disney, mais en même temps Starbucks, tu vois. Il s'agit donc de la dernière venue de la collection Disney You Are Here Collection, disponible donc dans le Starbucks du Disney Village, pas celui à la gare. Ils ne l'ont pas. Non, je ne l'ai pas vu, mais bien au Disney Village. Et donc, c'est, tu sais, les tasses Starbucks des endroits un petit peu touristiques du monde, de France, d'Europe, tout ça. Et bah, à chaque fois que je vais quelque part et qu'il y a un Starbucks et qu'il y en a une, je l'achète ou j'en reçois. Merci d'ailleurs, mon robe d'amour, elle est dans ma main, je la prends comme ça. Ma Marie, pour m'en avoir envoyé plusieurs. Et donc, par rapport à Disney, j'avais acheté il y a plusieurs années maintenant celle du parc original, celle du parc Walt Disney Studio. Je t'en dis d'ailleurs plus par rapport au Walt Disney Studio dans un des vlogs, donc je t'invite à aller les voir. J'ai aussi acheté il y a deux ans celle du 30e anniversaire. Voilà. Non, c'est Virginie, parce qu'il n'y en avait pas quand moi j'y avais été. Et c'est Virginie du coup qui avait été quelques semaines plus tard qui me l'avait chopé, qui me l'avait acheté pour moi. Et là, j'ai du coup celle-ci de l'Avengers Campus, donc dans le parc encore susnommé Walt Disney Studio. Voilà, alors je suis pas hyper fan de base des licences Marvel, Avengers, etc. Mais j'étais obligé de l'avoir, comme ça j'ai les 4 qui existent. Je pense que très bientôt, d'ici 1 ou 2 ans, il y aura celle de World of Frozen. Et puis avec le nouveau parc, etc. Donc bref, pour l'instant, je suis très très content parce que j'ai mes 4 tasses Starbucks. Voilà, on adore. Et je l'ai payé 22 euros, je crois. 21,95, je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, YouTube, c'était... t'as vu, du coup, j'ai été plus que raisonnable. C'était pour mes achats à Disney. Voilà, je range tout ça du coup et je te reprends tout de suite pour l'enveloppe surprise, le colis surprise qui m'attendait dans la boîte aux lettres à mon retour. Et on ouvrira ensemble le colis de Lian Jack et ce vlog se terminera déjà. C'est triste, hein? Ouais, je sais, tu pleures devant ton écran, je le sais, je le vois. Re-YouTube. Donc j'ai installé la ring light et le trépied. Tu remarques là la fleur de camélia que j'ai laissée là. Si tu as suivi sur Instagram, tu as suivi sur Instagram. J'espère que ça fait un focus correct, a priori oui. D'ailleurs, c'est chelou parce que dans... Alors j'ai pas encore vu les rushs des vlogs 2 et 3 de Disney, mais l'appareil a eu du mal à un moment, comme si... Pourtant l'objectif
Si, il y a une poussière à l'intérieur, mais ça faisait comme s'il y avait du trou. Bref, on s'en fiche. J'espère que mon appareil ne va pas me lâcher parce que pas le temps. mince, j'ai pas pris l'enveloppe. Attends. Donc, en rentrant, j'ai découvert dans ma boîte aux lettres cette enveloppe que je connaissais. Oh non, j'ai plus de batterie. Bon, bah, j'ai changé la batterie, je reviens. Mais bah voilà, comme ça, ça te laisse du suspense. Je te casse mon adresse, évidemment. J'ai reconnu l'enveloppe, j'ai reconnu l'écriture de mon nom, de mon adresse, etc. Je me dis, mais pourquoi encore quelque chose? Je ne comprends pas. Tu auras la suite quand j'aurai changé la batterie YouTube. Ouais, je t'ai mis sur une nouvelle batterie, mais j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, est-ce que j'ai oublié de la charger? Du coup, maintenant, il faut que je te revisse sur le trépied. Est-ce que tu veux faire ça avec moi? Je disais donc, j'ai reconnu donc l'écriture sur l'enveloppe et j'ai tout de suite compris que ça venait de la boutique de l'œil. Tu sais, la boutique de l'œil, c'est genre ma boutique de bijoux œil préférée, les boucles d'oreilles, les bagues. D'ailleurs, je te la remonte parce que je ne sais pas si tu l'as bien vue, celle-ci. Donc, je l'ai achetée en 3 exemplaires récemment pour en offrir une à Nani et à Marie. À la base, j'avais choisi celle-ci, mais il n'en restait plus qu'une seule, plus que deux en stock quand j'ai fait la commande. Et je voulais vraiment... avoir les trois mêmes. Et donc j'ai partagé sur mes bracelets, enfin bref, la boutique de l'œil, j'adore, je te mettrai, si j'y pense, le lien en barre de description. Et j'avais partagé la photo sur Instagram, et l'une d'entre vous, Missile, pour ne pas la citer, a dit « Oh, j'adore ta bague et tout, tout ça », puis on a un petit peu discuté en fait sur Insta, je lui ai dit donc que ça venait de la boutique de l'œil, et elle m'a envoyé des captures d'écran, de ce qu'elle avait commandé. Elle avait commandé du coup la bague blanche et un bijou pour portable, c'est les perles pour accrocher sur la coque de téléphone. Voilà. Et elle m'envoie la photo, etc. Et je lui dis trop bien, bah Laetitia du coup de la boutique de l'œil va être contente. Et puis moi ça me fait plaisir du coup, tu vois, quand vous me dites ah j'adore ce que t'as acheté, j'ai acheté la même chose, t'as acheté où, etc. Enfin bref, ça m'envoie un peu de bonheur, ça fait plaisir. Et donc, du coup, je lui dis, bah, mon prochain achat sur la boutique de l'œil, ça sera aussi cette chose pour accrocher au téléphone. Et là, Missile me dit, oh, ça me ferait trop plaisir, si t'as un PayPal, donne-moi ton PayPal, je te l'offre, ou alors donne-moi ton adresse, je te l'offre, etc., etc. Je lui ai dit, non, et je pourrais te montrer, YouTube, si tu ne me crois pas, nos échanges en MP sur Insta. Moi, comme je t'ai déjà dit dans le passé, j'ai eu la chance de recevoir quelques colis, plusieurs colis d'entre vous. C'était pas français, mais t'as compris. Et je suis trop gênée. C'est pour ça qu'il y a quelques temps maintenant, j'ai dit que je ne voulais plus recevoir de colis de votre part. Moi, le plus important, ce qui me rend vraiment déjà énormément d'amour, joie, etc., c'est tout simplement votre présence sur mon contenu, le fait que vous appréciez ce que je partage, vos likes, etc., etc. Donc, je lui ai dit que j'avais besoin de rien d'autre sauf sa fidélité, Missile, et que c'était déjà énorme et merci d'être dans mon aventure, etc. Bref, donc j'ouvre mon enveloppe et je tombe sur ceci. Voilà, donc c'est le bijou, tu sais, pour portable, donc il s'accroche à la coque de ton téléphone. Évidemment que j'aime beaucoup trop. Emballage toujours très soigné, hein, dans une petite pochette comme ça, brillante, avec le parfum à la fleur d'oranger qui va bien, qui sent très très bon quand tu ouvres l'enveloppe, etc. Et une petite carte, du coup, de la boutique de l'œil. Et je me dis, bon, bah, je vais lire la carte. Et je pensais, du coup, que c'était Laetitia qui m'avait à nouveau fait un cadeau, parce que j'ai la chance de recevoir très régulièrement aussi des articles de cette boutique. J'en achète et elle m'en envoie. Et comme elle est née, je crois, le même jour que moi, le jour d'avant, parce qu'on a un peu discuté sur Instagram, je pensais qu'elle me refaisait un cadeau alors qu'elle m'en a déjà fait un il n'y a pas si longtemps, tu vois. Et donc, je lis le mot. Nico, il y a des personnes qui sont magiques comme un séjour à Disney. Merci pour qui tu es. Très très bel anniversaire. Et c'est signé Missile. Je fais, mais non. Mais t'es pas sérieuse. Donc je te montre, hein, pour pas qu'on dise que je m'invente une life. Voilà. Et donc cette coquine Missile avec le partenariat, comment on appelle ça? Bref, avec le... Oh, la complicité de Laetitia de la boutique de l'œil. Je pense qu'elles ont dû se contacter effectivement sur Instagram. Oui, parce que cette bague est out of stock en fait. Le site n'était pas mis à jour et du coup, bah, Missile n'a pas pu la voir. Je suis désolé. Et donc du coup, bah, elles ont magouillé ensemble et bah, Laetitia, qui a mon adresse vu que je suis client aussi chez la boutique de l'œil, m'a envoyé ceci par le biais... Enfin, Missile m'a envoyé ceci par le biais de...
de Laetitia de la boutique de l'œil. Voilà, j'étais beaucoup trop choqué, beaucoup trop touché. Je vais, du coup, je voulais pas le mettre avant, mais je vais le mettre à ma coque de téléphone. Ou alors, je vais attendre peut-être de changer de téléphone parce que c'est, j'ai envie de changer de téléphone. Tu me laisses sur ma nouvelle coque, je sais pas, mais en tout cas, j'adore. Voilà, je suis archi fan, j'aime beaucoup. Merci du fond du cœur. Que ça ne se reproduise plus. Parce que ça me met dans une gênance, vraiment. Mais c'est ouf, quoi. Je mesure vraiment... Oh, c'est pas avec les cadeaux, tu vois, qu'on mesure la chance... la chance que j'ai d'avoir cette relation et tout cet amour en retour de votre part. Mais voilà, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur. Par contre, si quelqu'un... veut à l'adresse de Monsieur Disney, je veux bien aussi, tu vois, recevoir des billets gratuits, je veux bien. C'est bon, un peu d'humour, on rigole bien. Est-ce que t'as vu que j'ai mis la casquette que Nani m'a offerte? Oui. On va passer YouTube avant la conclusion de ce vlog. D'abord, je m'hydrate. Au colis si présent d'Olien Jack. Tout d'abord, si tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'es pas là depuis très longtemps. Ça veut dire que tu ne me suis pas depuis très longtemps, mais c'est pas grave, hein, je ne t'en veux pas. Dolian Jack, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'une de mes marques de bougies artisanales préférées. La première marque de bougies artisanales que j'ai découverte, tout simplement parce que ce sont des copains et que j'adore leur travail. Et au-delà du fait qu'il y ait beaucoup d'amitié, c'est vraiment en toute objectivité que je te dis que leur travail est pépite. Ils ont créé il y a quelques temps, du coup, Mathieu et Damien, ils, de la chaîne YouTube et du compte Instagram de Gaël et un chien, je suis perdu. Et donc créateur de la marque de bougies Dolian Jack, ça fait 3-4 ans qu'elle existe et j'ai la chance d'être en partenariat avec eux, j'ai la chance qu'ils m'accordent cette confiance et cette amitié de recevoir effectivement très régulièrement des collections. Là du coup j'ai reçu, alors que j'ai vu que tout le monde l'avait reçu, everybody, mais moi ben, j'étais pas là, donc voilà, je l'ai que maintenant, j'ai pas encore ouvert. Trust and believe, tout est là, j'ai trop trop hâte parce que j'ai regardé les revues des autres et je sais ce qu'elles en ont dit et j'ai trop hâte de sentir ces nouvelles fragrances. Nouvelles pas tant que ça, mais il y a quand même eu un très très gros renouveau de la collection Coffee Shop. Juste petite chose, donc ces bougies sont artisanales, 100% naturelles, sans substances dégueulasses qu'on n'aime pas, etc. Et donc tu peux y aller en fermant les yeux, tout simplement. Et j'ai aussi la chance, le bonheur et le privilège de t'offrir un code de réduction de 10% sur tout le e-shop de Lian Jack. Je te l'afficherai là, les Addictions by N10, qui t'offre, comme je te disais, 10% de rabais. Et moi, en retour, quand tu l'utilises, ça montre au gars que effectivement tu viens de ma part et j'ai une petite commission sur tout ça. Merci beaucoup du coup de l'utiliser. N'hésite pas, hein, vraiment, vas-y, utilise-le, tant de fois que tu veux, utilise-le. Alors, j'ai reçu donc gratuitement le nouveau coffret de la collection Coffee Shop qui se présente comme ceci. Je suis archi fan déjà de cette affiche, je te la montre un petit peu de plus près. Ça fait un petit peu comme un set de table, tu sais, dans un coffee shop en fait. J'aime énormément avec genre les... Comme si c'était, tu vois, les menus, mais les différentes bougies qui composent cette collection. On retrouve la mascotte Biscotte ici, on pense très très fort à lui. Notre copain, hop là, Mathieu, qui a eu 29 ans hier. C'est pour les 29 ans. Je ne suis pas persuadé que ce soit le vrai âge, mais ma foi. Moi aussi. En fait, comme on se dit en privé, il est comme Florence Foresti, il est non âgé. Voilà. Non, c'était quoi? Transage, c'est ça. Bref, donc, très jolie mise en scène, comme à chaque fois, hein, de toute façon, il y a vraiment un très grand soin qui est apporté à tout l'univers autour même de la bougie, qui pour moi, comme je te le dis aussi à chaque fois, ne sont pas uniquement des bougies, mais sont vraiment des... En fait, Mathieu et Damien sont des créateurs d'émotions. Voilà. Alors, l'emballage est le même pour tout le monde, c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux, qui font des préférences ou quoi que ce soit, tout le monde a vraiment le même... Oh, j'ai même un cœur sur mon carton. Le cœur, c'est pas tout le monde qui l'a. Si, je crois qu'ils mettent très très souvent des cœurs. Bref, du papier de soie avec le petit sticker de Lian Jack. Donc, très très grand soin à porter à l'envoi pour que tout se passe bien. On retrouve donc une petite carte de présentation de Mathieu et Damien et de l'historique des bougies, de la composition, etc. Beaucoup de petites particules de calage comme ceci. Et
le coffret qui s'appelle très sobrement le coffret qui nous intéresse. Donc c'est la refonte entière de leur collection Coffee Shop. J'ai très très hâte de découvrir tout ça. On voit qu'il y a eu du travail, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail aussi cette fois. Ouvrons. Oh non, mais je suis trop fan, j'ai pas pris de photos pour Instagram. J'ai l'ouvrir, j'adore, j'aime énormément. Regarde, YouTube, ça fait un focus. C'est dans du papier un peu, pas craft, mais je vais essayer de l'ouvrir correctement pour reprendre des photos sur Insta. Comme du papier, tu sais, quand tu prends un sandwich dans ce genre d'établissement, etc. J'aime beaucoup, ouais, j'ai réussi à ouvrir sans faire trop de. Alors celle-ci, ça va être la cappuccino, normalement. Senteur cappuccino à l'ancienne. Je suis archi fan. Ah mais en fait, c'est le set de table. Ok, il m'a fallu du temps pour le remarquer. Je vais essayer de faire bien parce que j'aimerais prendre une photo après. J'adore. Le couvercle est resté keblo. Oui, mais ça, c'est parce que je veux pas l'ouvrir entièrement, vois-tu. Enfin, je vais faire... Bref, t'as compris, je vais faire des photos. Attends, ni vu ni connu, je remets le petit ruban que j'aime beaucoup. Il me semble qu'elles sont plus grandes que les collections Coffee Shop classiques. Donc, on est sur la bougie cappuccino. Voilà, avec ce nouveau visuel. J'aime beaucoup aussi le petit ruban qui a changé. La petite pastille là, Jack's Café, c'est le nom de la collection. J'aime beaucoup. Moi, je suis très sensible à ce genre aussi de packaging, vraiment très sobre, etc. Ça sent déjà très très bon. Là, on est sur une collection avec des mèches en coton, comme ceci. Parfois, ils font aussi avec des mèches en bois. Tu sens, voilà, cappuccino, il n'y a pas à te dire des choses et des choses. Ça sent un café chaud un petit peu sucré avec effectivement cette onctuosité du lait dessus, tu vois, cette crème, cette mousse. C'est extrêmement réussi, très bien réussi. Parce qu'une bougie au café sans le café, là ça sent vraiment, tu vois, le café, mais un côté un peu plus rond, un côté beaucoup plus gourmand, très chouette. Cappuccino à l'italienne, j'ai dit à l'ancienne tout à l'heure ou à l'italienne, je sais plus ce que je t'ai dit. Non, je crois que je t'ai dit à l'italienne. Ou je t'ai dit à l'ancienne. Bref, hyper gourmand. On est à la limite du tiramisu, je trouve, tu vois, en termes de côté vraiment très rond et gourmand. J'aime beaucoup. Très sympa avec le petit couvercle, etc. Petit tuto de brûlage de bougie, si jamais, parce que ça peut quand même toujours servir. Quand tu brûles une bougie de Lian Jack, il ne faut pas normalement la brûler plus de 4 heures. Première chose. Ensuite, deuxième chose, il ne faut pas la brûler juste quelques secondes comme ça. Il faut vraiment que tu attendes que toute la piscine, c'est-à-dire tout la circonférence, le diamètre, ait été consumé pour ne pas que ça fasse de trous et que vraiment ça se brûle d'une manière homogène, homogènement. Il faut aussi très régulièrement raccourcir la mèche, etc. Bon, généralement, cette histoire de piscine, c'est sur toutes les bougies, hein, mais je te le dis quand même parce que, bah voilà, il faut vraiment en prendre soin. J'adore. J'aime énormément. C'est très sympa. Je pense qu'elle va aller dans la cuisine dans pas très longtemps, celle-ci. Ensuite, comme je te disais, deux autres bougies. Donc, on a la spéculoos et le chocolat, toujours donc dans cet emballage que j'aime énormément, que je suis tout à fait capable de déplier et de garder. Heureusement qu'on en a un vierge que je pourrais garder, effectivement. Moi, je suis hyper sensible à toute cette recherche autour du produit. Ça fait vraiment partie de l'expérience et du coup de la création d'émotions, tu vois, que tu éprouves quand tu reçois un colis de Lian Jack. Et encore une fois, je veux garder les emballages pour faire ma petite photo. Hop, le couvercle s'est en allé, je remets le ruban, ni vu ni connu. N'hésite pas vraiment à aller faire un tour sur le e-shop de Lian Jack parce que là actuellement il y a la collection Jack's Coffee, mais il y a aussi d'autres pépites à découvrir et mon petit doigt me dit qu'il va y en avoir encore beaucoup d'autres et qu'on adore. On est cette fois sur le chocolat, donc on reste sur le même type de packaging avec la même photo. Chocolat chaud viennois, attention, soyons précis, c'est parti. Oh, extrêmement sympa, tu vois, j'avais peur que ça soit vraiment chocolaté, genre à la limite de l'écœurance. Ça n'existe pas, mais t'as compris le sens de ce que je veux dire. Mais non, c'est extrêmement agréable. Tu ressens vraiment le côté très rond et lacté, en fait, du chocolat chaud gourmand, quand même. Elle est très gourmande, mais pas écœurante. En tout cas, à la sentir comme ceci à froid, très sympa. J'aime beaucoup.
très gourmande aussi. Par contre, c'est vrai que ce genre d'odeur, autant le café, je pourrais la faire brûler dans la cuisine là maintenant tout de suite, mais ça, pour moi qui suis très saisonnier dans mon brûlage de bougies, je pense plus la faire brûler, tu vois, en... peut-être en début de printemps quand il y a Pâques qui arrive, mais là c'est déjà passé. Mais plus peut-être cet hiver, tu vois, quelque chose de très gourmand et réconfortant, mais en même temps quand même hyper lacté, hyper léger, voilà, c'est ça. Je pense pas qu'elle soit agressive en termes de chocolat, dans le sens où je pense qu'elle va être vraiment très très agréable à brûler. Ça va être très doux et très... Bon, même si à mon avis elle envoie du lourd parce que c'est extrêmement gourmand, j'aime beaucoup. Très 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 sympa. Et ensuite, n'oublie pas de profiter de mon code de réduction, les addictions by Andy's, qui t'offre 10% de rabais sur tout le e-shop de Lien Jack. Nous terminons avec la dernière, qui est le spéculoos, ce biscuit véritable, qui est l'une de celles que j'attendais le plus, parce que le spéculoos étant l'un de mes biscuits préférés, étant donné que j'adore la cannelle. Donc, on est... Je te refais pas le même topo. Est-ce que le couvercle est resté cette fois pour la dernière? Et c'est un signe, ça voulait vraiment dire qu'il fallait que je finisse par celle-ci. Donc, on retrouve encore une fois ce packaging comme ça, que moi je trouve très élégant. Ah, voilà, clairement, le lot de 3, on aime beaucoup. Spéculoos, qu'est-ce que tu vas nous donner, Spéculoos? Attention, tu vas découvrir ma teuté en direct aussi. Oh, c'est parfait. Alors, ben, c'est juste parfait. Le biscuit à la cannelle parfait, le sucre roux comme ça, qui... J'adore. Une très très belle réussite. Très 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 jolie réussite, les garçons. Bravo, bravo, bravo. Ah non, mais une tuerie. J'aime beaucoup. J'aime bien à chaque fois faire un petit podium des bougies, soit que j'achète ou qu'il m'envoie avec énormément, et que je reçois avec énormément de plaisir et de bonheur. Je pense que bon, c'est une très grande réussite au niveau de la collection. N'hésite vraiment pas si t'aimes les choses très chaleureuses, très gourmandes, très limite effectivement ce côté un peu vintage et réconfortant d'un café, d'un coffee shop, etc. Fonce, clairement. Je pense qu'en premier, ma préférée de cette collection, ça serait la Spéculoos. Ensuite, le Cappuccino. Et bon, elles peuvent être les trois sur la même marche du podium. Hein. Et le chocolat, parce que c'est un 10 pour les trois. Mais si je devais les classer, ça serait quand même ceci. Je suis très 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 heureux de les avoir reçus. Et j'ai hâte de t'en reparler en vlog. J'adore le spéculoos. Est-ce qu'on aurait déjà envie que ce soit l'automne alors que je kiffe le printemps? J'ai hâte d'être en été aussi, mais ce genre d'odeur là, ça me fait voyager. Hein. J'aime beaucoup. Tu sais quoi, je pense que je vais quand même la faire brûler. Je vais quand même la garder, je pense, pour la brûler en... Je suis chiant avec ça d'avoir des saisonnalités dans les parfums. Mais le parfum de spéculoos pour moi est tellement associé à l'automne. Je suis trop fan. Et je suis trop fan de leur travail. Encore une fois, bravo, bravo, bravo les garçons. Bravo et merci de cette confiance accordée. J'ai hâte de continuer à vous suivre parce que je suis un tout petit peu dans les coulisses et je sais un petit peu les choses qui vont se passer. Accroche-toi YouTube, ça va être plutôt sympathique. Et n'oublie pas mon code de réduction, les additions by Andy's, qui t'offre 10% de rabais sur tout le e-shop de Lien Jack. Voilà YouTube, je pense que ce vlog va certainement s'arrêter là, comme ça j'ai fini le montage ce soir et je peux consacrer le temps qui m'est imparti au montage, avancer en tout cas sur les montages des vlogs Disney. Ah, je voulais te montrer, tu sais, l'hortensia que ma meilleure amie Stélie m'a offert, qui m'a fait envoyer. Nicolas, tes mots, où sont-ils passés? Par le fleuriste du centre commercial dans lequel j'étais. Et il faut aussi que je te fasse une petite mise à jour de Pierre en majuscule. Bon, bah écoute, on va dire que le vlog n'est pas entièrement fini. Je te montre ça et après on fait la conclusion YouTube. Hein, parce que sinon, on ne va plus s'en sortir. Bon, puis j'aurai aussi accessoirement après tout mon bordel arrangé. Donc, l'hortensia, alors avant, j'étais hyper prévoyant, tu vois, avant de partir quelques jours à la maison, j'ai arrosé toutes mes plantes, c'est-à-dire que j'ai donné un bain à Phoebe ou Monica, j'ai un doute maintenant, je crois que c'est Phoebe. Bref, oh, la plante. J'ai l'air changé de nom parce que je les oublie. À Kitty Boy, à Pierre en majuscule que j'ai vaporisé comme ça parce que je ne l'arrose plus beaucoup, absolument. Mon cactus, Paco, et j'ai aussi arrosé du coup l'hortensia parce que je me suis dit quand même. Et en fait, bah, je crois que peut-être il y a eu trop de soleil qui a tapé à la maison, sur la fenêtre. Ah d'ailleurs, il faut que je te raconte aussi ce qui est arrivé avec une bouteille. Bref. Et bah alors écoute, il va mieux qu'hier, du coup, vraiment. C'est pas lui. Lui, c'est un faux. Mais bref, je te montre. T'es pas fait, j'ai pas pris en photo ou quoi hier, mais voilà, oh, je suis vraiment hyper dégoûté. Alors à savoir qu'hier, genre toutes les feuilles étaient en mode bah, comme ça. Donc là, il y en a quand même qui ont vraiment repris de la vigueur.
Toutes les fleurs aussi, donc les quatre têtes, étaient entièrement flétries. Limite comme celle-ci, bon bah celle-ci je pense que c'est mort. Celle-ci a priori elle recommence un petit peu à prendre ici, ça ne fait pas le focus mais du poil de la bête. Celle-ci recommence aussi à revenir à la vie et celle-ci je pense que c'est fichu aussi. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire. La terre était archi sèche, donc je pense qu'en fait qu'il demande beaucoup plus d'eau que ce que je pensais. Et je suis effectivement hyper triste parce qu'en fait, bah voilà, j'étais pas à la maison, mais il y a un bébé là qui grandit. Alors est-ce que, je sais pas, je pense pas que ce soit normal parce que pour que les feuilles étaient aussi en détresse, voilà. Et c'est pas un trop plein d'arrosage, parce que si c'était un trop plein d'arrosage, ça aurait pas refleuri comme ça, tu vois. C'est depuis ce matin, mais hier vraiment, crois-moi, elles étaient peut-être pas autant que ça, mais elles étaient vraiment en piteux état, quoi. Donc, je sais pas, je pense que peut-être il faut que je le rempote aussi. Mais il y a quand même un bébé là, tu vois. Alors, ouais, je sais pas. Je suis un peu tristesse. Après, je vais le garder et tout faire pour qu'il retrouve de sa splendeur. Mais d'ailleurs, on en parle de rocher en minuscule ou pas? J'adore, j'aime vraiment. C'est pas encore sa vraie place, je sais pas trop où je vais le mettre, je vais voir ça. Mais voilà, dis-moi si tu t'y connais en plantes. Céline, si tu passes par là. Mais bah, très heureux déjà de le voir repartir comme ça, et voilà. De toute façon, l'arrosage, c'est mon problème, hein. Soit j'arrose trop, soit j'arrose pas assez, mais là je pense pas que ce soit l'arrosage, parce que si, genre, il y avait eu trop d'eau, et bah, elle serait jamais repartie là maintenant, tu vois, elle aurait dit, vas-y, laisse-moi tranquille, tu m'as encore plus noyé, tais-toi. Donc je pense que du coup, peut-être qu'effectivement, c'est pas peut-être, c'est que je l'avais laissé sur la table, et il a dû avoir trop de soleil d'un coup, et ça a dû la dessécher, je sais pas. Pourtant, les rideaux étaient fermés tôt. Bref. En ce qui concerne le jasmin que j'ai appelé Nicky Doll, bah écoute, je sais pas. Il y a des belles fleurs qui sont sorties et il y en a d'autres qui sont déjà fanées. Donc pareil, est-ce qu'il a eu trop d'eau ou pas? C'est mon problème éternel. Mais par contre, les bébés de pierre en majuscule se portent très très bien. Donc on a ces deux un petit peu feignants là, avec l'autre feignant ici, mais qui pousse quand même, hein. Je m'en rends pas forcément compte, mais en regardant les vidéos pendant le montage, je me dis si quand même. Et alors là par contre, regarde cette majestuosité, voilà, regarde-moi ça, oh, regarde-moi comme c'est beau. Ah non mais il va être magnifique, quand les trois auront bien poussé, il va être sublime. Mon bébé d'amour, papa il t'aime très très fort, oui papa il t'aime. C'est bon, on a fini le point ornithologique à chaque fois que je veux dire, pas du tout. Botanique, horticulture, horticole. Je pense donc qu'on peut conclure ce vlog en toute sérénité. Ah non, j'ai oublié, je te mettrai une photo ici de ce qui est arrivé avec une bouteille de Prosecco que mon collègue m'avait offerte pour mon anniversaire et que j'avais laissé sur le plan de travail dans la cuisine. Voilà, on a ouvert la porte hier et je vois un truc par terre dans la cuisine. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui a coulé? Je me dis, bah, peut-être le lave-vaisselle ou quoi, ou il y a peut-être une fuite. Et en fait, c'était tout collant. Et quand mon mari a pris la bouteille bah, pour l'enlever, et bah, elle était fendue entièrement. Alors, est-ce qu'il y a eu une variation de température extrême à l'intérieur de l'appartement? Est-ce que, je sais pas. Mais du coup, la bouteille s'est fendue, ça a tout coulé sur le plan de travail, sur la plaque de cuisson. Oui, bah, parce que je l'avais pas rangée, je l'avais mise comme ça, sur le plan de travail, à côté de la plaque de cuisson. Voilà. Mais une bouteille, c'est pas censé, c'est pas censé s'ouvrir comme ça, je ne comprends pas. Bref, mystère. Et surtout, mystère, mais pas ton séco. Parce que du coup, bah, je l'ai pas goûté. Voilà, déception, mystère et déception. Bon, YouTube, je pense que on arrête donc ce vlog ici. En émoticône, qu'est-ce qu'on peut mettre en émoticône? J'en ai fait beaucoup des choses pendant ce vlog. On a vu Marie et Nani d'ailleurs. C'était ouf, cette rencontre était tellement, tellement, tellement bien. Et comme je t'ai dit, plutôt tellement évidente, c'est comme si... Bah comme si on se connaissait déjà en fait. Bon, on se connaît, mais on se connaît pas. On ne se touchait pas en tout cas. C'est vraiment des personnes... Voilà, ça c'est aussi, elles ont adoré mon mari, et mon mari les a beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciées, donc voilà. Et puis ça sera pas la première fois qu'on se verra, c'est sûr. Je suis grave jaloux qu'elles n'habitent pas très très loin l'une de l'autre, parce que si c'était mon cas aussi, et laisse-moi te dire qu'on se verrait très très souvent. J'ai un peu l'impression d'être dans une jungle là, c'est très marrant. Donc très très bien, cette rencontre était ouf, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré mes 3 jours aussi à la maison, mais ça tu le verras dans les vlogs consacrés, comme je t'ai dit. Et donc on a fait ça, après bah, y a eu l'ouverture de mes cadeaux. tout ça pour trouver l'émoticône, YouTube, oui, jamais pour trouver l'émoticône. Qu'est-ce qu'on peut
super en émoticône. Eh ben, mets le verre de vin. Voilà. Tu mets le verre de vin ou la bouteille de champagne en émoticône. C'est recherché ? Absolument. Donc, je t'attends en commentaire. En parlant de commentaires, évidemment, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir ? D'ailleurs, on se retrouve donc lundi prochain pour un prochain weekly vlog, vendredi pour le premier vlog de mon retour à la maison. J'ai trop hâte de continuer à monter et de te partager tout ça. J'espère que ça va te plaire, j'espère que ça va te plaire, j'espère que ça va te plaire. Merci beaucoup YouTube à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et d'habitude je le fais avec l'autre main. Je change et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.